que tout ce qui respire loue l'Éternel. On te mananga le comme ça yo, ma banzo nanga le sanjola yo, po oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Eudoxie Yao. Je vous mets une vidéo, une image où elle est en train de recadrer une servante de Dieu congolaise qui aurait fait une prophétie sur Elo. La servante de Dieu aurait dit que Eudoxie Yao touche fétiche. Façon, elle a recadré la dame là. Je vous jure, c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'on a au Congo. Je vous ferai une émission autour du pasteur là aussi qui avait dit des choses sur les Congolais. Mais on continue d'abord. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwig. A fait un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demonia Ngimoukou Seyata, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram demeure officiel, TikTok demeure officielle, Snap demeure officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok, pour ce contenu je vous propose un très bon verre de jus de lit damé bien frais, tout pour plaire. Ok, alors les amis, vous avez besoin d'organiser un événement ici à Kinshasa en République démocratique du Congo, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres. Vous avez besoin d'une équipe très sérieuse pour l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Contactez le plus 243 81 37 26 458. Besoin d'un visa touristique pour la Turquie, un visa d'études pour la Tunisie et la Chypre, n'hésitez surtout pas de contacter l'agence au plus 243 82 0003 fois 44 62. Ok, alors les amis, on va parler de Eudoxie Yao. Comme vous savez, c'est une chanteuse et tout. Elle est plus connue grâce à ses formes généreuses. Comme vous le voyez là, elle a, n'est-ce pas, une taille imposante. Elle a des formes, elle a des rondeurs, tout pour plaire, quoi. La vraie femme africaine, la Eudoxie Yao. Elle a toujours dit qu'elle n'a pas fait chirurgie esthétique ou elle n'a jamais fait chirurgie esthétique. J'aimerais bien lui croire, mais ça passe pas. Dans ma gorge, là, c'est bloqué. Mais ça, c'est pas la question. C'est pas les sujets. La fiancée de grand P, oh, la fiancée de grand P. Mais ça, c'est pas le sujet. Eudoxie Yao, je tombe sur une vidéo d'elle sur les réseaux sociaux. Elle dit que quoi? Une Congolaise. Bon, comme il n'y a pas précision si c'est Brazzaville ou si c'est Congolaise de Kinshasa, là, on prend seulement sur nous. Les Congolais, c'est notre affaire comme ça. Il y a une de nos servantes de Dieu congolaise qui aurait fait prophétie sur Eudoxie Yao, comme quoi Eudoxie Yao aurait touché fétiche. Elle n'a pas aimé et elle n'a pas loupé la servante de Dieu. Je vous dis, la dame a taillé cette servante de Dieu. Elle dit, toi, moi je prie Dieu, je vais faire chapelet, moi je vais à la grotte, moi j'ai pasteur qui prie pour moi. Eh, Eudoxie prio. Eudoxie est chrétienne. Elle a tout dit, elle a tout dit. Comme je n'ai pas beaucoup à dire, c'est plus elle qui va parler dans ce contenu. Je m'en vais comme ça faire mes dédicaces spéciales à celui qu'on appelle à tout seigneur, tout honneur, le King Akame Boss Mobutu. Salutations à toi, mon très cher manager. Salutations à tous ceux qui m'aiment et qui me soutiennent, qui m'accompagnent, n'est-ce pas? Il s'appelle le Tonton Peps, Pépé Mouibou. Et si Kali Boumouezo a valeur, maman Hélène Sarakawaya. Salutations à toi, maman Yeti Kasongo. Salutations à papa Coco Lomboto, papa Jonathan Louvoilou. Papa Claude London, ça, je te salue. Salutations également à Cornelia Moulouba, madame. Maman Rachel Molifa, je te salue. Maman Sipi, maman Malika Diane, je vous salue tous, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux. Don, 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 je te salue. Nisha Kimvwindi, ma chérie, ma belle-sœur, mon coup de cœur, quoi. Je te salue, n'est-ce pas? Salutations également à Incognito, Fabiana Amoury, vous êtes nombreux. Vanessa Erwig, ma sponsor, je te salue. Ma Mimi, ma Miriam, où était con? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Salutations à maman Evelyne Delolo, maman Béatrice Chitenge. Vous êtes nombreux, vous êtes là, toujours branchés sur Demeure Officielle. Vous ne loupez pas une seule de mes émissions. En tout cas, je vous salue tous. Vous êtes tellement ébellés que si on a continué, bah, dédicace, nzambe. Et on ne croira jamais, et on ne croira pas, quoi. Mais en tout cas, na zongi libama banga, instant libanga. Dans chaque émission, je pense que je vais commencer à glisser quelques noms, hein, n'est-ce pas? Soyez parmi les premières personnes. Oh, na rokani, sara nuki na mutu na nga mama. En tout cas, on va suivre Eudoxie Yao qui va nous expliquer ce qui s'est passé, va nous relater. Je sais que ça sera un peu plus long, mais vous devez l'écouter, vous devez l'entendre, n'est-ce pas? Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle. Je vous dis à tout de suite.
Quand vous me voyez, quand vous me regardez, puis vous avez vos messages remplis d'erreurs inventées par vous-même, et puis vous dites que Dieu m'a révélé ça, Dieu m'a révélé ça là. Regardez les choses pour les autres artistes, ou bien pour les autres célébrités. Mais moi là, ne voyez rien sur moi. Ou bien si vous inventez vos choses là, si vous inventez vos prophéties là, ne m'en parlez pas. Parce que c'est du grand n'importe quoi, mes amours. La semaine dernière, je suis sur YouTube et je vois, tu sais, moi j'ai un compte YouTube qui a presque 100 000 abonnés. Et puis j'ai des vidéos, je poste plus mes vidéos comme ça sur YouTube. Tellement les gens attendent de signaler là. Quand même, j'ai beaucoup d'abonnés sur YouTube. Donc on m'a identifié dans une vidéo, une prophétesse congolaise. Moi, je respecte les serviteurs de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est très difficile. Quand tu pries Dieu, que tu es sincère, tu as beaucoup d'attaques. Ce n'est pas facile d'être serviteur. On doit les vrais serviteurs, il ne faut pas des bonbons serviteurs. Donc, je respecte beaucoup les serviteurs de Dieu, quel que soit les statuts. Mais comment une dame qui se dit prophétesse peut dire des choses vraiment erronées, des choses remplies de mensonges sur moi, ma vie. Non, mais c'est grave. Donc, c'est comme ça, les serviteurs de Dieu, les bonbons serviteurs, ils vont se lever. J'ai vu une prophétie, tant. Déjà, ce sont des grands menteurs, des grandes menteuses. Moi, là, mes bébés, moi, je n'ai pas connu la vie, hein. Ah, ça, je vous dis, je n'ai pas connu la vie. Très jeune, j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, commencé à prier pour les gens. J'ai été formée par maman Pépé, Perpétue Nkodja. Je n'ai pas connu la vie. Oh. À faire l'œuvre de Dieu, là, quand j'ai laissé, là, directement, c'est ça, c'est venu sur les réseaux sociaux. Quand c'est venu sur les réseaux sociaux, même temps, c'est devenu célèbre. Je n'ai pas connu la vie. Vous avez vu, dès que j'ai commencé à être célèbre, parce que moi-même, de nature, depuis l'enfance, même quand j'étais vierge, je ne connaissais même pas garçon, on partait dire à un moment que je me prostitue au terminus 40. Pourtant, moi, j'étais vierge. Parce que j'aimais m'habiller sexy. J'aimais m'habiller, les petites culottes, les petites robes, les décolletés. Donc, on partait dire à un moment qu'elle se prostitue au terminus 40. Pourtant, moi, j'étais vierge. Donc, vous voyez, depuis combien d'années, les gens aiment inventer, les gens aiment juger par l'apparence. Donc, revenir à la servante de Dieu congolaise, là, elle dit qu'elle a fait une vision. Elle était sur YouTube, elle m'a vue. En même temps, elle est rentrée dans une vision. Et dans la vision, là, et donc, si, genre, je suis arrogant, je suis ceci, je suis cela. Et puis, elle a parlé beaucoup, elle disait qu'elle me voyait. Ma devanture était bien, et puis derrière, elle était pourrie. Elle me disait que quoi, de donner ma vie à Dieu. Et puis moi, il disait que non, que mes marabouts sont là. Tout ça, c'est dans sa vision, que mes marabouts sont là. Genre, après, comme si mes saints sont en train de prier, elle disait, mes marabouts vont faire. Et puis elle disait que non, marabout ne peut pas que c'est Dieu. Ça fout, là, j'ai attrapé ma tête. On peut faire ça. Une servante de Dieu au Congo, tu peux mentir comme ça? On peut mentir comme ça? Maraboutage, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Jamais. Tout ce que moi, j'ai fait dans ma vie, et je le dis haut et fort, c'est la prière. Quand ça n'allait pas chez moi, je n'ai jamais entendu que, pour devenir célèbre, pour avoir de l'argent, c'est maraboutage. Depuis que je suis devenue célèbre, depuis que ma célébrité encore a pris un coup élevé, j'entends que de vilaines choses. On peut me traiter de prostituée. Moi, ça me fait pas mal. Parce que même quand je ne connaissais pas garçon, on peut peut-être dire à maman que je me prostitue. Pourtant, je ne connaissais pas garçon. On peut me traiter de tous les noms. Mais dire que je fais les choses du diable, là, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça là-même. Au grand jamais. Comme un servant de Dieu, elle s'est dit servant de Dieu. Elle est au Congo. Et puis, elle peut mentir comme ça. Moi, je n'ai jamais touché au maraboutage. Hein. Et puis, même aujourd'hui, là, si j'ai un problème, que ça ne va pas chez moi, là, moi, même ma confiance en Dieu, hein, c'est ce que moi-même j'ai traversé dans ma vie. Moi, j'ai fait un accident. Il y a 3 ans, j'ai failli perdre ma vie. Les autres, moi, ont eu fracture cassée, pied cassé. Hein? Comment j'ai eu mon accident, là? J'ai eu les yeux tournés vers Dieu.
J'ai eu beaucoup de preuves dans ma vie. Je ne suis pas allée voir Marabout. Hein. C'est maintenant que ça va chez moi que je vais aller chez Marabout. Les serviteurs de Dieu, là, revoyez-vous quand vous donnez vos prophéties. Là. Donnez vos prophéties là, sur les autres stars ou bien les autres célébrités. Mais ne venez pas donner des prophéties remplies de mensonges sur moi, ma vie. De ma vie, je n'ai jamais allé voir Marabout, ni féticheur, ni quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas maintenant que je suis devenue céleste. C'est comme quelqu'un, tu pries. Maintenant, aujourd'hui, Dieu te bénit. Des gens vont se lever pour dire que ah, celle-là, elle est céleste, c'est parce qu'elle va chez des marabouts, c'est des marabouts. Donc, vous pensez que Dieu ne peut pas bénir, quoi. Vous limitez Dieu. C'est ça votre problème. C'est ce qui fait que ça ne marche pas chez vous. Moi, je ne limite pas Dieu. Je mets Dieu en haut. Et puis, Dieu n'a même pas encore fait quelque chose pour moi. Moi, il est devenu milliardaire. Je n'ai pas encore un milliard. Dieu n'a encore rien fait pour moi. Donc, je ne peux pas concevoir que des gens vont se lever pour dire que c'est arrange, revenez. Mais si on lui donne les millions, facilement, c'est passé, va chez le marabout. C'est frustrant. Vous voulez dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Donc, les serviteurs de Dieu qui aimaient avoir des prophéties remplies de mensonges, vous inventez vous-même. Parce que je ne peux pas concevoir, moi je ne suis jamais allée chez Marabout, ni chez Féticheur. Aujourd'hui, c'est une célèbre grâce à Dieu. Et puis une Congolaise qui se dit prophétesse va se lever pour dire que, ah, et donc c'est et Jean. Et... non, c'est tellement faux. C'est tellement faux. Donc la personne a parlé, quand il a écouté même la vidéo, il dit, mais c'est dangereux de mentir si Dieu. Hein? Mais bébé, c'est dangereux de mentir si Dieu. Mentir un être humain, tu peux dire que quelqu'un m'a dit ça, même si c'est faux. Mais mentir que Dieu t'a montré ça. C'est trop fort. Et donc, s'il ne connaît pas le maraboutage, et je ne vais jamais connaître le maraboutage, parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui me bénit. C'est Jésus qui me bénit. Quand ça va pas, c'est à lui que j'écris. Je n'écris pas un autre nom. Je n'écris pas un autre nom. Moi, je ne limite pas Dieu. Dieu n'a pas de limite pour moi. Et puis, ce qu'il fait, il n'a encore rien fait mais dans ma vie du tout. Il n'a encore rien fait. J'implore toujours sa miséricorde et sa grâce. Vous venez parce que la fille est sexuelle, elle se met en mode bien. Elle se dit que ah, c'est la même, c'est les choses du diable qu'elle fait. Je ne suis pas dans ça. Hein. Donc, je ne veux même pas qu'on me colle ça même. Ça, là, seulement, je refuse. Je refuse. Beaucoup de filles, de jeunes filles me suivent. Tu es mon idole, tu es mon temps. Elles vont se dire quoi? Comment devenir célèbre comme idole? Comment faire pour qu'on parle? Comment faire pour avoir de l'argent? Donc, il faut aller chez Marabout, bien aller chez Fetcher pour avoir l'argent. Qu'est-ce que vous voulez emmener les gens à faire? Ça ne se fait pas. Comment raconter des mensonges sur moi? Hein? Mais bébé, vous voulez quelque chose à prier? Si vous êtes musulmane, vous partez à la mosquée, vous faites des prières. Que soit chaque personne à son temps, chaque personne à sa grâce. Chaque personne a son jour de gloire. Tu pries, tu demeures dans la foi, Dieu va te bénir. Je n'ai pas besoin d'aller chez un marabout pour être béni. Je suis désolée. Et ça, la même là, je me rappelle bien, ma servante de Dieu, maman Pépé m'a dit, depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, et donc si toi là, tu vas devenir une star. Et puis elle m'a dit, quand Dieu va commencer à te bénir, les doxies, les gens m'ont dit que c'est marabout. Les gens m'ont dit que c'est marabout. Je vous jure que ça, on m'a dit, c'est plus de 10 ans. Et de Doxy, tu as un avenir très brillant. Mais quand Dieu va commencer à te donner les désirs de ton cœur, les gens m'ont dit que c'est marabout. Et voilà. Dieu ne m'a même pas encore donné. Même. Il a commencé peut-être à me regarder un peu et puis je lui dis merci. Il n'a même pas encore donné, mais c'est que le cas de ce que je lui ai demandé. Dieu n'a pas encore donné ça. Les gens sont en train de se muscler sur ma petite vie. Rends-vous. Et puis ils mentent même comme ce n'est pas permis. Ouf. Mais bébé, c'est un petit éclaircissement. Moi que vous voyez là. Quand ça ne va pas là, c'est à Dieu que j'écris. Je vais à l'église. Avant, je partais tout le temps dans le groupe de prière de maman Pépé. Elle a changé d'endroit. Quand Lorraine, elle a changé d'endroit. Tout qu'on fait la navette France. Abidjan France, navette. France. En tout cas, pour le moment, on attend d'avoir un autre lieu de prière. Sinon, hormis cela, je vais à l'église. Si j'ai un souci, je l'appelle et prie pour moi.
si je n'ai pas envie peut-être de l'appeler pour l'emmerder, moi-même là, je m'en vais m'asseoir à la grotte, je fais mon chapelet, j'implore la grâce, la miséricorde, l'intercession de la Vierge Marie, pour qu'elle intercède pour moi auprès de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, mon Dieu, pour qu'il me bénisse. Et puis ça marche. Quand je demande, ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu donne le jour qu'il veut. C'est ce que je fais. Si vous voulez réussir dans la vie, mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. N'attendez pas d'être bien avant de venir à Dieu. Venez tel que vous êtes. Et un peu, vous allez commencer à arrêter ce que vous faites qui n'est pas bien. Si tu aimes sortir avec 10 gars, au fur et à mesure que tu pries, tu as commencé à diminuer tes gars. C'est comme ça on devient. N'attendez pas d'être bien avant de dire j'ai venu prier. Donc, c'est une petite parenthèse par rapport à un message, par rapport au commentaire de quelqu'un. Ça m'a rappelé la fausse prophétie. Les gens s'ennuient tellement sur les réseaux sociaux. Ils s'ennuient tellement sur les réseaux sociaux. Bon, imaginez un seul instant que j'étais une fille qui partait chez les marabouts. Quand j'ai vu la prophétie de la dame, j'avais dit, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Oh, mais je partais chez marabouts. Donc, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Vous allez voir, vous voyez, entends-moi ma vie là. Je ne suis jamais allée là-bas. Et quelqu'un se lève pour venir mentir. Pour venir mentir sur moi. Vous comprenez? Donc, faites très attention aux serviteurs de Dieu, aux bonbons serviteurs remplis de mensonges. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes aussi qui disent la vérité. Mais sachez faire la part des choses. Ne vous laissez pas berner. Sachez faire la chose. Mettez toujours confiance en Dieu. C'est tout. C'est Dieu qui me bénit. Voilà, voilà, j'espère que vous avez suivi les propos de Eudoxie Yao par rapport à cette prophétie qu'on lui a balancée comme ça sur la figure qu'elle ne reconnaît pas du tout. En tout cas, c'est grave lâché. J'espère que vous étiez concentrés, hein. Que vous n'étiez pas en train seulement de regarder sa poitrine qui allait dans tous les sens, hein. J'espère. Voilà, elle a dit qu'elle prie, elle connaît Jésus, elle connaît Dieu. C'est une chrétienne. Donc, pour ceux qui pensent qu'elle a touché fétiche pour devenir ce qu'elle est, en tout cas, vous êtes en tout cas mis le doigt dans l'œil. Vous avez menti sur elle. Elle n'a pas du tout aimé que l'on raconte des choses comme ça sur elle, chose que je respecte énormément. Vous savez, les Congolais, vous allez nous mettre dans des problèmes. Je ne sais même pas si ce sont les Congolais de Brazzaville ou d'ici. Comme on nous confond toujours, je dis, les amis, il faudrait éviter, on abuse. Les gens nous ont dans leur bouche comme ça. C'est une fois Congolais, une fois Congolais. Et c'est très rare que quand on parle du Congo, qu'on dise quelque chose de bien de nous. C'est très rare que quand on parle du Congo, qu'on dise quelque chose de bien de nous. Non! C'est toujours on a fait une connerie. C'est pas du tout bon. On doit aussi vendre à un moment donné une très bonne image de la communauté. C'est vrai que les pasteurs aventuriers ne sont pas seulement les Congolais. Il y en a des Sud-Africains, des Maliens, des Gabonais, des Nigériens. Mais pour l'instant là, on indexe le Congo. Eh les amis, il y a quoi même? Et puis ces histoires de fausses prophéties. Eudoxie, pour ton information, tu n'es pas le seul. Même nous-mêmes, leurs propres frères congolais, ils nous balancent des âneries. On te comprend, je comprends ta position. J'ai aimé une réflexion. Et puis, c'est que je ne comprends pas. C'est-à-dire, toi, tu es prophétesse, tu sais que c'est une personne publique. Qu'est-ce qui te donne le droit de venir balancer sa prophétie dans les médias comme ça? Tu viens raconter une prophétie sur elle. Écris-lui sur Instagram ou sur Facebook. Dis-lui. Et si c'est vrai, la personne va te relancer. Vous ne venez pas dire aux concernés directement. Comme toi, tu veux faire genre, toi, tu vois les prophéties sur les personnes influentes et tout, un tout petit peu connues. Tu balances ça sur les réseaux sociaux. C'est un buzz ou quoi? À l'instant où tu sais que c'est une personne publique, ne balance pas comme ça parce qu'il s'agit aussi de sa vie. Supposons que ce que tu disais là était vrai. Supposons que c'était vrai. Tu vas comme ça ternir son image, ternir sa réputation. Pour toi, c'est une prophétie, c'est une révélation. Mais elle n'avait pas besoin que sa vie puisse être exposée comme ça au grand public. Lui contacter, lui parler en privé, histoire de lui faire entendre raison, savoir, écoute, Dieu m'a dit ça, nanani et nanana. Vous allez faire votre prière en privé. Tu n'as pas étalé la prophétie d'une personne comme ça sur les réseaux sociaux, soi-disant parce que Dieu te parle. Dieu doit aussi vous enseigner comment est-ce que vous devez orienter vos prophéties, comment discerner, comment aborder le sujet. Parce que ces prophéties que vous donnez comme ça à la va-vite détruisent beaucoup de maisons, détruisent beaucoup de foyers. Beaucoup d'enfants qui sont dans la rue aujourd'hui sont victimes de ces prophéties mal gérées. Dieu te révèle quelque chose et tu viens balancer ça n'importe comment.
C'est pas parce que c'est une prophétie que tu as le droit de le dire n'importe comment. C'est une personnalité publique après. Il s'agit quand même de sa vie. Vous voyez? Donc, c'est des choses à revoir. Maman Joëlle Guialo, salutations à toi également. Il s'appelle Milasso pour Rodrigue. Salutations à toi, n'est-ce pas, Eric Nkake la foudre. Salutations, n'est-ce pas, Boni Boni Basangoya USA. Eric Nkake la foudre. Salutations à celui qu'on appelle Yannick Chamba Godson, n'est-ce pas, le partenaire, le sponsor de Barési Baza, le cadet de la presse. Merci à tous ceux qui sont connectés sur Demeure Officielle. Merci à vous tous d'avoir suivi ce contenu, à tous les abonnés de Demeure Officielle. Merci à Papa Conseiller Modéré. Merci à tous les membres de la DOF privée, mon groupe privé en tout cas. Merci également. Merci à Queen, à la Baronne. Vous êtes nombreux dans le groupe. Hein. Merci beaucoup. Merci également à celui qu'on appelle Boss le Silencieux. Merci à Papa Edo Mopatas et merci à Belinda Bellevue Candy, n'est-ce pas, la patronne. Merci beaucoup. Voilà, Maman Nana Bodouga, vous êtes nombreux. En tout cas, je vous remercie tous. Continuez, n'est-ce pas, de partager massivement les liens des vidéos de Demeure. Maman Angèle Yoa, merci beaucoup à toi également. Maman Angèle Wangato, salutations à toi. Maman Nana Chaumba, Maman Nana Chaumba, boni boni basangona, ok, non, puis maman. Je vous salue tous, êtes nombreux, vous continuez de suivre Demeure tous les jours. En tout cas, je vous salue. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous. Bye. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. O te mananga le komisa yo, babanzo nanga le sanjola yo, po oyonga na zomona ilongo libonza mena yote.